Ngayon nasa nandito tayo sa today nga po pala is Independence Day ng Belgium. So nandito tayo guys sa plaza. So yun guys, may parada ng mga polis. Ayan. Voilà. Et merci. Cool. Bien.
Thank you.
Au début, on fait pas vraiment la simulation. C'est directement dans l'avion? Ouais, ouais. Bah, donc d'abord, c'est ton premier vol. Donc, il y a toujours tous les cours, hein, ouais. Tous les cours avant que tu mets un pied dans un avion. Ouais. Mais après, oui, le premier vol, il le fait pour toi. Et le deuxième vol, tu dois déjà faire le décollage et une moitié de ce vol toi-même. Comme je dis, il faut très vite avancer et je pense à ta cinquième vol, tu fais déjà tout toi-même sauf l'atterrissage. Donc, allez, ils avancent très vite et c'est sur ça le magazine. Ouais, ça sera... Oui, en gros, on ne fait pas une distinction entre ceux qui veulent Jet, Eli ou Cargo. Oui, ils commencent tous sur marketing, tous sur cet avion. Et après, on va voir dans le temps qui est vraiment le plus fort. C'est probablement, la plupart du temps, c'est les plus forts qui vont sur avion de chasse. Ou ceux qui avancent le plus vite, plutôt. C'est pas toujours les plus forts, mais bon, en général, s'ils avancent très vite. Et après, ceux qui sont pas sélectionnés pour avion de chasse, il y a aussi les options hélico et cargo. Et très exceptionnellement, ils disent que, ok, bon, tu veux vraiment faire hélico, même si tu es un des plus forts, ben ok, tu peux y aller. Mais en général, c'est les plus forts qui vont toujours... Mais en tout cas, pour toutes les catégories d'avions, ouais. Il faut avoir les visions 10 sur 10. Quoi. Ouais, c'est ça. À l'armée, oui. Normalement, dans le civil, si tu fais des... Je sais pas si des lentilles, mais si tu fais le laser, je pense que c'est bon. Ah ouais. Mais chez nous, même si tu fais le laser de tes yeux, si tu fais la correction, ben ça ne compte pas. Ouais. Ils sont très très stricts sur ça, surtout avec des avions de chasse. Peut-être dans le futur ça va changer, mais pour l'instant ils n'ont pas encore à changer cette procédure. Par contre, ouais, dans la force aérienne, on a 80 fonctions différentes. Donc ouais, un pilote c'est le plus chouette, mais bon, même si tu ne voles pas, tu peux toujours voler avec. Dans certaines fonctions, c'est aussi chouette. Et le pourcentage de réussite, si vous êtes combien pour ce truc Comment? Le pourcentage de réussite. Bah, déjà, pour entrer comme pilote, c'est un pourcentage de 0,5%, je pense. Allez. Ah non, je me rappelle, après le médical, il y avait encore 250 personnes qui voulaient devenir pilote. Et de 250, il y a le test de théorie. 5 meilleurs vont être un peu de le faire. Donc, allez. Compliqué. Ça va? C'est pas trop séance? Ouais, peut-être. C'est beaucoup de maths physique et tout. Comment? Beaucoup de maths physique et tout. En général, pour moi, ça allait. Mais j'avais que 6 heures de maths en secondaire, mais déjà, ça suffira pour bien suivre le maths. C'était pas si compliqué. C'est juste pour ton examen d'entrée, je pense que oui, il y a du maths. Et là, c'est quand même un peu fort. Mais rien. Si tu te prépares un peu et tu peux te préparer avec le truc qui sont indiqués sur le site de notre site, normalement il n'y aura aucun problème pour le maths. Et puis c'est néerlandais français. Ou, je ne sais pas si anglais c'est déjà intégré, mais je pense que c'est première langue, deuxième langue. C'est plus par exemple chez nous, la plupart des gens qui ont raté, c'était sur néerlandais. Les néerlandophones qui ont raté sur néerlandais parce que c'était très bon. Ah bah. Et il faut l'anglais un peu plus. Après il faut l'anglais, mais pour les... Allez, plus grand. Tu as bien travaillé? C'est sûr. Ça, c'est...
Si. On a un gros dans tes yeux. Vous êtes fiancé à l'école. Oh, no, 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 no,